Yo! Ça m'excite! Oh my god! Première des choses, tabarnak, mon père est sale sur un esti de temps, c'est écœurant. C'est écœurant, mais on s'en calisse. On s'en calisse, mais c'est écœurant. Première des choses, je me verse une fucking coupe de vin. Bah, tant qu'à. Parce que aujourd'hui, c'est la fête, les chums. Fait que I deserve a fucking coupe de vin, merci. Aujourd'hui, je suis fucking festive parce que c'est ma 100e vidéo YouTube! Non, mais 100 vidéos YouTube, genre, ça fait quand même beaucoup de vidéos YouTube. Fait que je me suis dit, vu que c'est une vidéo spéciale aujourd'hui, je vais filmer devant mon faux arbre. Comment c'est possible que mon faux arbre perde des feuilles? Je la comprends pas. Je vous jure, il y a des feuilles partout à terre. Pourquoi tu perds tes feuilles, dude? T'es même pas une vraie plante. Je suis tellement nostalgique aujourd'hui. Ça fait 100 vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube. Puis peut-être que 100 vidéos, ça a l'air de rien, mais je trouve que c'est quand même beaucoup de vidéos, tu sais. Ah, qu'est-ce que c'est ça, Carlis? Ah! Voyons! On dirait une courte de tampon. Ok, ouf. Et j'ai eu peur en esti. Sincèrement, parce que je suis dans ma semaine en ce moment, j'ai vraiment eu peur de tirer puis que ça soit un tampon, genre. Parce que je viens de me mettre un tampon, mais imaginez, finalement, il est même pas dans ma noune. Il aurait été pogné dans mon gilet. À quel point ça aurait été malaisant. À quel point ça aurait été parfait en même temps. Oup! Bye la corde! Fait qu'aujourd'hui, bienvenue dans la vidéo spéciale 100e vidéo. J'avais envie de faire un best-of de mes 100 premières vidéos. Honnêtement, je pense que ça va vraiment être un beau souvenir pour moi. Ben, je sais pas, je trouve que c'est une bonne manière de souligner ça, de souligner mon 100e vidéo. Oh my god! Santé à moi! Ben oui! Ben en fait, santé plus à ma chaîne YouTube, tu sais, fait que... Santé ma chaîne YouTube! Honnêtement, je serais même pas surprise que ma chaîne YouTube soit saoule. Je trouve que c'est une immense opportunité d'avoir ça, d'avoir fait tout ça, pis c'est en grande partie grâce à vous, fait que j'ai envie de vous faire un cheers! Fait que santé! À vous, à moi, à ma chaîne YouTube, à tous les beaux souvenirs, puis à tous les futurs souvenirs qu'on va créer! Tout ça trop cool! Oh my god! Il y a des gens qui sont passés dans ma vie, il y a des gens qui ne font plus partie de ma vie en ce moment, malheureusement, mais j'avais pas envie de ne pas mettre les vidéos parce que c'est des souvenirs, puis ces gens-là, ils vont toujours faire partie de mon cœur. Donc, je trouve que c'est important de les souligner. Puis, c'est ça. Fait que sur ce, je vous laisse regarder le best-of de mes 100 premières vidéo. Attendez là, j'ai quoi dans le cul sain, c'est pas mal. Définitivement une rencontre pertinente de mon année 2019. Le womanizer! Mon chéri. Tabarnak de grand. Voyons, j'ai fait le saut de l'année, ben oui! Cette semaine, j'ai réalisé quelque chose de vraiment pertinent. J'ai envie de vous en parler, je trouve que c'est vraiment le moment. Tu sais, les canards, mettons, là, ils sont tout le temps là en train de faire comme Marc, 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 Marc. Puis j'ai réalisé que dans le fond, c'est que les canards, ils s'appellent tous Marc. Ils s'appellent Marc, fait qu'ils se parlent, ils sont comme hey Marc, 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 Marc. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Bon passe-temps, je t'avouerai que j'aime beaucoup me toucher. Oui, faudrait que je débosse d'ailleurs. Il faudrait que je me trouve d'autres passions que me toucher, Chris, hein? Fait que gardez toujours en tête que tout le monde dans la vie a commencé à quelque part. Qu'il y a personne de supérieur à qui que ce soit parce qu'il y a plus d'abonnés. On en a rien à chier, on a tous commencé à quelque part. Puis c'est ça qui est beau de YouTube. Wouhou! Maman, you can. Un bouton en dessus du sourcil, c'est synonyme de sensualité. La sensualité en dessous du sourcil, c'est rare. Pendant ce temps-là, je vais vous divertir. C'est moi qui porte ce gars en France. Parce que je pense que c'est pacifiste pour Freaky. Fuck you! Et santé! Pour ceux qui se demandaient, pour ceux qui suivent, là, pour vrai la recette. C'est dur, moi, finalement. On s'en va se dire. J'ai battu un œuf. Le Cassandra plus dans ce monde. Le livre est écœurant. Achetez-le. Il faut que vous le voyez. Et regardez mon fouet. Oh non, c'est honteux. Il manque son bout de fouet. Il faut crisser de l'huile là-dedans. Allez mettre une quantité spéciale de canaux. On s'en calisse. Mais canaux? Moi, j'en ai rien à fucking chier la quantité de la canola. Man, comment ils font? Ah! Oh, pour mettre les saucisses dans les bâtons! Mais moi, déjà, ça, je trouve que c'est une bonne recette.
C'est une saucisse en bâton. On a tout vu! On a tout vu! Mais c'est pour saucisse seule! Officiellement, à la base, on faisait une recette pompette. Non, attends, ça a toujours été l'ultime guerre à savoir qui a Kevin Parent. On fait un HPPSO pour savoir enfin qui garde Kevin Parent. 1, 2, 3. Rush papier. Non! Ouais, on m'a pourquoi tu fasses. Faut que tu fasses. Peu! Tu comprends? Non! Tu sois solide! Oh. Là, c'est une sérieuse guerre, on se bat pour Kevin, là, tu comprends? Ok. Rush papier. Des ciseaux. Ok, j'ai gagné la première game. Rush papier, ciseaux! Rush papier, ciseaux! Oh my god, c'est l'ultime partie. Rush papier, ciseaux! C'est moi qui ai Kevin! Yes! C'est moi qui l'aime, hein? Mais je la comprends pas. Pourquoi je la perds? Je viens de me faire baiser ben raide. Qui survivrait à un apocalypse de zombies? Ben, si on parle en force et en courage et en tout, peut-être bien. Hé, hé! Lucas! Hé, hé! Ah ouais, tu penses que je mourrais? Est-ce qu'on s'est déjà surprise pendant un acte sexuel? Ah non, même. Toi, tu m'as déjà surprise? Non, mais j'ai déjà pensé que c'était ça. Tu te tiens pas quand tu étais dans ton lit avec un ami? Ah oui, ma mère, elle voulait pas que je ferme ma porte de chambre quand j'étais jeune. Ça me faisait tellement chier. Je me disais, voyons, elle est trop là, elle veut m'empêcher de fourrer, mais si j'ai envie de fourrer, je vais fourrer ailleurs au pire. C'est tellement niaiseux dans ma tête. Non, tu fourras pas chez nous. Ben, c'est mieux que je fourre chez toi que je fourre genre dans un endroit public ou dans un char. Ben, qu'est-ce qu'il y a dans un char? J'ai fourré toute ma vie dans un char. C'est sûr que quand t'étais jeune, toi, t'étais une petite cochonne. Non, pas comme toi. Ah là, on voit bien. Ah là, c'est parfait. Ouais, c'est bon. Ok, fait qu'ouvre ta bouche. Oh mon dieu, je suis tellement pas prête là. Non. Casse. Tu me mets pas une grosse affaire dans l'œil. Non, tu m'étais un peu. Tant que tu m'étais un peu. À toi. Hop, go. Des petits verres. C'est des petits verres, Cass. Il met plein de petits verres dans la bouche. Ta gueule! Ouais. Non! Ben, ils mangent ça, eux autres! Non! Ta gueule! Morale de l'histoire, mettez-vous des couches. Non, c'est avant ça. D'aller en tête. Toujours une couche. Moi, là, j'aimerais ça essayer de me mettre des couches, des fois. Est-ce que je vais dire ça? J'ai une chose à te dire. Vas-y, je t'écoute. Oh my god, non, mais tu sais, la dernière fois que j'étais Yves, c'est quand qu'on s'est vus? Au festival. Ouais. C'est festival de quoi déjà? Jazz. Festival de jazz. Avec Lucie pis Cindy. Puis tu sais-tu qu'est-ce qu'on a fait d'être allé? Ouais, vous avez été montré au vagin. On s'est montré nos vagins. Ouais. Les quatre avec mon ami. On s'est rendu ma nouvelle passion de montrer mon vagin. Y'a rien écrit dessus. C'est le papier qui a rien écrit dessus. C'est une chose. T'as trop un petit bon match. Moi, j'ai déjà menti à quelqu'un dans cette pièce. Moi? Ok. Momo? Là, tu m'as menti. Non, c'est bon. Toi? Qu'est-ce que t'as menti? Tu sais, quand j'ai fait la semaine, j'avais une diarrhée pour partir. Calice, voilà, c'est tel! Je fais comme pas ça. Non, là, je serais genre double. Y'a aucune chance que tu me suces l'orteil si t'assois, ouais. Y'a aucune chance, là. Puis lui, il était genre turn on, genre. Tu sais, en plus, ça t'en fout d'avoir un bon cul. Ouais. Attends, genre, il se fait sucer l'orteil. Genre, y'a le boy. Y'a le boy, il se gronde down there. What the fuck? Ouais, down, no! Bon, mais ça va être juste le latte. Un McFlurry de quoi? De Nemo? J'ai rien compris. Un McFlurry de quoi? Nemo. Nemo? On va prendre un de ça? Des petits poissons? Je sais pas. Ok, on va prendre un McFlurry de poissons. On va prendre un de ça aussi. McFlurry de Nemo, là. Quelqu'un qui dit, pensez-vous voyager ensemble? Non, on devrait. Je serais pas qu'une nice, je serais vraiment down. On se planifie ensemble. Moi, dans le fond, en décembre, je me fais, avec ma famille, on fait un petit voyage familial, genre, de Noël pis tout. Mais je vais venir, parfait. Ok, on se fait un pack de frites qu'on va faire un voyage, yeah. Un pack de frites, ça veut tout dire, là. On va essayer, go! On s'entend-tu que Rox est censé me pimper en elle? Fait que Rox, ça s'interprète comme si, ça dans la vie. Je sais pas si on voit que ça rit dans le milieu. Qu'est-ce que t'es laid avec ton manon sur pied? Ben, toi et tout.
tu me regardes, en fait, t'es comme traumatisée. Mais je m'attendais pas à ce qu'on relève autant de défis. Attends, je vais apprendre ton rire. Ah ouais. Ok, vas-y. Mais là, c'est pas drôle. Ah ouais. Je l'ai compris. C'est parce que tu ris mal, toi, avec. Ah? Donc, je ris. C'est toi qui ris de même. Oh. C'est parce que je t'évitais. Ah, pas qu'il y a de chez le cul, là. Hey, bonne année, Ross. Hey, bonne année, Gaff. Première vidéo de 2020. C'est pas une vidéo de 2020. Mon Dieu, comment c'est ça? J'ai de la misère, honnêtement, à juste faire l'amour quand je sais qu'il y a du monde. Non, non, dans même, mettons non. Là, on... ben, là, c'est un peu bizarre. Là, c'est passe vraiment weird. Exactement. Encore Caro qui est comme je te maudis, ça sent genre. Mais mettons Caro, on ferait l'amour. Ça serait comme quand même bizarre parce que mon chien est là-bas. Parce que mettons moi toi. Si j'ai un pire ennemi, mettons toi. Je fais manger ma mère en faisant penser que c'est du chocolat. Mais non! Mais oui! Mais non! Oui! Mais non! La première fois que t'as mis un string. J'ai jamais mis de string de ma vie. T'as jamais mis de string dans ma vie? Non, moi je suis fatiguée, manquée, j'ai toujours porté des boxers. C'est vrai? T'as le jeu? Je suis tellement déçue. À maintenant, ça se retrouve où? Dans les restaurants. Mais y'en a au dépanneur vraiment chill. What's that? Quand tu vas savoir, tu vas faire comme ah! Tu vas faire qu'un kiss, ça fait de ça. Mm-hmm. Mais c'est. Tu peux quand même en avoir des vraiment de luxe, comme tu peux t'en acheter un fucking BS au départ en genre. Un salami, genre? Non, mais c'est. Je suis plus capable. Non, mais c'est un salami. Ok, ouais, je vois ça. Peut-être que mon repas préféré, c'est juste salami. Au dépanneur, c'est genre des sandwichs au poulet avec des affaires de même, du fromage poulet. Est-ce que je te dis? Ouais, vas-y. Un ramen? Ah mon dieu, que c'est bon. Allô? Ben, si vous savez pas, Kate, dans le fond, elle vient de faire Occupation 2. Ben oui. C'est quoi qui est spécial de toi, mettons? Tu sais, qu'est-ce qui est spécial de moi? La crevette? La crevette! Ça fait combien de temps, mettons, que tu fais du YouTube, tout? Ça va bientôt faire 2 ans. 2 ans? Ouais. Parfait. Puis, tu sais, on s'entend que t'as travaillé fort pour tout ton following. Ouais. Ça va bien. Quand même. Ok, maintenant, comment tu te sens que moi, après 3 mois d'affaires tout ça, j'ai plus de followers que toi sur Instagram? Qu'est-ce que tu manges, Marc? Hey les gars, vous êtes nice! Santé, joyeux Noël! Hey, cheers to that! Pour vrai, c'est trop cool! T'es vraiment belle, pour vrai. Pour moi, je suis belle. J'ai le goût de tricher puis de me regarder sur mon non, sel. Non, ça, si tu fais ça, mon tabarnak, là, tu vas t'en aller. Si Carole l'a dit. Tu sais, au moment où est-ce que tu dis ma coiffure peut pas être pire, ben là, elle est encore pire. Voyons donc! Pour être beau avec quelque chose de quand même un pantalon unique, un jeans ou okay. Quelque chose de même. Ça fait un peu différent de ce que tu portes d'habitude. Ah. Fait que. Tu ouvres mes yeux? Oui. Ah! Check. Puis il est comme un peu col. Ben, j'ai l'air belle en rose. Ouais. Ah ben, crème. Ben, moi, je veux qu'elle l'essaye. Je suis sûre qu'il peut être beau. Parce que ouais. Je trouvais que le. Check, il est quand même un peu. Robe de princesse. Non. Peux-tu ouvrir mes yeux? Ouais, c'est bon. T'as acheté une robe de princesse. C'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Mais pourquoi c'est dégueulasse? Mais là, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Ben là, c'est pas tu si niaises. Dégueulasse. Toi, tu trouves ça beau? Tu trouves ça beau, une fille là-dedans? Tu trouves ça-tu beau, une fille là-dedans? Mais je pense que oui. J'ai acheté des petites robes blanches de princesse. Honnêtement, je pense pas qu'elle aime ça. Mais moi, je trouve ça sexy as fuck, pis c'est moi qui l'ai acheté. That's it, that's all. Ben, faudrait que je l'essaye. Peut-être que je juge trop vite, mais c'est vraiment pas mon genre à la base. Je sais, mais c'est ça que je te dis. Moi, okay. En fait, c'est les deux morceaux que je vais te présenter à l'instant. C'est les deux morceaux que je me suis dit, d'après moi, elle va haïr ça. J'aime ça. Ah, arrête là. Ça se peut pas, ça se peut pas. Ah, ça pue de pète. Ah! Tu l'as senti, hein? Oui! C'est qui? Ah, ça sent la grosse merde! Ah, qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu! Sérieux? Je te jure, man, je soupire en regardant son énorme pénis lisse. Je me suis noyée! Voilà mon look finaux. On n'est pas peu fiers. Ouh, femme fatale.
Nous sommes des femmes fatales. Belle, très belle femme. Qui de nous trois est le plus porté à dormir toute la nuit à côté de la toilette? 1, 2, 3. Vous êtes des sales. Qui est le plus porté à avoir fait l'amour la dernière semaine? On ne veut pas marier, on va se le dire. 11 septembre. 1, 2, 3. Because I'm a hoe! Qui est le plus porté à faire des chansons dans son cul? Qui est le plus porté à mettre quelque chose dans son cul? Qui est le plus porté à mettre quelque chose dans son cul? Qui est le plus porté à déjà avoir eu quelque chose dans son cul? C'est facile. C'est facile. Ce jeu-là est destiné à nous. Prendre un petit instant pour vous remercier. Je pense qu'on réalise juste pas à quel point que vous êtes là pour vrai. J'ai sincèrement gardé cette journée-là de ma première journée à Juste pour ado dans mon cœur à tout jamais. Vous me donnez l'opportunité de vivre des trucs qui ont pas de calice de bon sens. Ok, je regarde. Ah! Oh my god, look what I am! C'est pas ça. Who am I? Ok. Look, who am I? Ben, je me sens un peu comme Pocahontas. Oui. Tu te sens-tu comme Pocahontas? Des fois. Checkez-moi ça, comment je suis une belle femme qui n'a pas peur du ridicule. Je suis dans la rue avec mon mono sourcil. Qu'est-ce qu'on prend? Des shots de sourpuss. Ouais. Pour les petits poussis qu'on est. Bon, ben, santé. Santé. Trois, deux, un. Le moment sera satisfaisant pour nous, les amis. Oui, vas-y, okay, mange ton poing. Arc. Laisse-moi te dire que t'as de la graine dans les dents, là-dessus. Ok, moi, j'aime peut-être pas ça tant que ça. Bravo, cocotte. Je me suis rasé un petit peu, je me suis dit, hey, God, faut que je sois cute. Oui, moi aussi, je me suis rasé. Dans pour aujourd'hui, oh, on fait la vidéo qu'on va te montrer nos vagins. Ouais. Ouais. Ben oui. C'est pas trop bien. Après. Oh, attends. Oh mon dieu, attends, je suis. Mais là, on prend pas écarter nos jambes. Là. On est. Ok, c'est prêt. Oh, stop. Ok, j'ai envie de pipi. Mais là, moi, j'étais pas gênée. Ah, mais il est tellement différent. Mais oui, nos vagins sont tellement pas pareils. J'ai avancé mon vagin. Nous, on vous aime quand même. Ouais, nous, on vous aime, c'est l'important. Ouais. Moi, je t'aime aussi quand. Moi aussi, je t'aime. Au moins, on s'aime. On s'aime. C'est l'important. 3, 2, 1. Ouvre tes yeux. Ouais. Bad boy! Pour faire simple, le message, c'est un de mes abonnés qui m'a écrit pour m'inviter à Vancouver, passer du temps avec lui, sa coloc, parce que paraîtrait-il qu'il m'aime bien. L'affaire, c'est que c'est une surprise parce que c'est la fête à sa coloc en septembre, donc je suis comme une surprise. Enlève ton bar, mets What the fuck? What the fuck? Mais oui, je crois.
contente, t'es-tu contente? Il y a des gens qui m'ont dit « What the fuck? Tu t'en vas vraiment passer une semaine avec du monde que tu connais pas pantoute à Vancouver? T'as pas peur? » Je pense que dans la vie, si on essaie rien, ben on vivra rien. J'ai pris un risque, j'ai écouté mon feeling, puis j'ai sincèrement vécu l'un des meilleurs trips de ma vie. Cette semaine, j'ai pas l'impression que je suis allée fêter une abonnée. J'ai l'impression que je suis allée fêter une amie. Attends! Ah. Ouais, comme t'es crise de mer. J'attends parce qu'on voulait faire une beauty shot, tu comprends? C'est parfait. Oh. Fait que bye. Ça laisse de vlog impertinent. Moi, avec tes abonnés, je j'en perds mon tampon. Marie, on a reçu une question. La question, c'est de Martine de Trois-Rivières. Elle demande... Avez-vous bu ce soir? Bon, on fait un voyage par année ensemble. Moi, j'ai voté oui. Vous le vouliez ou non, encore ici. Oui! Ouh! Ça serait une grosse chose, ça commence bien le matin, là. J'ai trouvé un Mexicain. Hola! Bonjour! C'est ça pour dire, je sais pas. Mais what the fuck? Elle est rendue avec nous! J'ai pris l'autobus! Yeah! On s'embrasse. Un. Ah! On est jour J. Je décolle sur Thaïlande, mes chums. T'es tellement joli, mon poulet. Oublie-moi pas. Hein? Bye, mon bébé d'amour. T'es vraiment un bel éléphant. T'es un beau éléphant, toi. Oui, t'es vraiment tout en beauté. Petite crise de tabarnak, petite calice de vierge. Petite crise de tabarnak. C'est sûr que c'est peut-être la première fois qu'il porte une casquette et d'ailleurs une chemise de dragon. Alors je pense qu'il n'est pas très très à l'aise dans cet accoutrement. Peut-être si je mets la casquette à l'envers, ça lui donnerait un look badass. I might chip, boss man. I got this, yeah. Oh, par exemple, le moumou, tu parles. Oh, oh regardez-le comment il est cute. Oh mon Dieu, mon cœur, c'est tellement mignon. Il faut se rappeler qu'on est tellement toutes beaux pis belles, peu importe nos différences, pis nos différences, c'est ce qui nous rend uniques. Je suis fière d'avoir été capable de m'accepter, d'avoir accepté mon corps. Un coup que tu me connais, ma personnalité prend tellement plus d'ampleur que tout le reste. C'est correct, des fois. De se sentir différent, d'être différent. C'est correct. Après n'importe quelle dure épreuve de ma vie, je suis tellement capable de me relever. Puis ça, je suis tellement fière de moi pour ça. C'était finalement l'arme la plus efficace que je possédais. C'était mon humour. C'était de faire rire, de transformer un sujet négatif, puis de juste l'amener d'une façon positive. Mais en général, je pense que j'ai une belle joie de vivre, puis que je suis assez positive. C'est quelque chose qu'on me dit souvent. Je pense que c'est une de mes belles qualités. Juste d'être positive, d'aimer la vie. Je suis tellement fière de ce que j'ai accompli. Tout truc négatif, ça nous apprend des choses aussi. Puis je pense qu'à ce moment-là, j'ai vraiment appris à écouter comment je me sentais. J'ai pas laissé cette situation qui est vraiment, vraiment triste me ralentir dans la vie. Puis je pense qu'il faut se rattacher à des petites pensées comme ça en disant « Hey, tu sais quoi, si tout va mal, là, moi j'ai ce plan-là. » Puis ben, moi, mon plan, c'est de vendre la crème glacée à Hawaï avec un chien, ma gueule, je te dirais que ça. Non, on s'en reparle. De faire en sorte que je sois une meilleure personne chaque jour que j'étais hier. Fait que je me pardonne plus qu'avant. Peu importe ce que l'avenir me prépare, au moment où je serai rendu là, je saurai y faire face. Ça, c'est important de tout se dire ça. Puis merci, Cass, pour cette vidéo-là. Je pense que tu vas aider un paquet de petites filles. Puis comme je le répète toujours, t'es la meilleure grande sœur du web pour toutes ces jeunes-là. Puis je suis
extrêmement reconnaissante d'être entourée de personnes dans mon milieu qui sont autant inspirants. Je trouve ça vraiment important qu'on soit capable d'être transparent avec vous, d'être honnête. On a toutes des vulnérabilités, on a toutes des insécurités, on a toutes des moments où est-ce qu'on est super angoissé, on a toutes des complexes, puis je pense que c'est juste bon de les accepter puis d'en parler. Je pense qu'être vulnérable, au fond, c'est juste faire preuve de courage pour être soi-même. Puis ce qui est beau, ben c'est qu'on est toutes vulnérables. Toi, moi, tout le monde. On est toutes vulnérables. Bonjour, c'est encore moi. Hey, c'est des beaux souvenirs. Je suis vraiment reconnaissante. Je veux pas m'éterniser parce que si je m'éternise, je sens que je vais pleurer. Mais merci pour tout ça. Merci de me suivre. Puis je sens que dans l'avenir, il va y avoir encore tellement plein d'autres beaux souvenirs puis plein d'autres belles vidéos. Puis je trouve ça incroyable d'avoir l'opportunité de baigner dans cet univers. Puis c'est grâce à vous. Fait que j'espère que vous avez aimé voir tous mes plus beaux souvenirs de mes deux dernières années sur YouTube, de mes deux premières années sur YouTube. En fait, si vous avez aimé ça, ben Chris, like la vidéo tabarnak, c'est pas compliqué, mais ça en a un dos. Ok, là je veux juste remercier les gens qui ont fait partie de mes deux premières années de YouTube. Fait que Gab Marion, Noémie Lacerte, Marie Gagné, Flo99, Roxane Bruno, Alex Labbé, Lucie Réon, aussi toutes les personnes qui font partie de ma vie puis qui ont accepté, même si, mettons, c'est pas nécessairement leur genre de faire des vidéos, qui ont embarqué dans ma folie, dans tout ça, tu sais, je trouve ça, je suis tellement reconnaissante, que ce soit ma meilleure amie Caroline, qui fait pas de vidéos dans la vie, tu sais, puis qui embarque tout dedans dans mes hosties niaiseries, ma mère, mon frère, même Cédric, mon ex, qui... On a tellement de souvenirs sur YouTube, puis je trouve ça tellement beau. Des moments qui vont me rester gravés dans mon cœur à tout jamais, puis je suis vraiment reconnaissante juste de toutes les personnes qui ont embarqué là-dedans, dans toutes mes hosties niaiseries. Merci, puis voyons. Puis merci à vous d'être là, puis d'être là pour vrai, tu sais, je suis vraiment juste tellement reconnaissante, puis je sais du plus profond de mon cœur que c'est pas terminé, puis j'ai juste hâte pour la suite, puis je suis tellement comme... Je suis tellement grateful, puis... Santé! Santé à moi, santé à vous, puis à toutes les belles choses qui vont arriver prochainement. Je suis tellement excitée. Fait que sur ça. Je pompette tout seul. Qu'est-ce qu'on fait quand on est pompette tout seul? On va se pomper, clit, pomper, clit, pomper, clit, pomper, clit, pomper, clit, pomper, clit. C'est tellement dégueu ce que je viens de dire. Se pomper de clit, ma chum. Hey, ta mère, elle va te taire. Ok. Bye! Sorry, mom. Bye. Slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right?